épisode pour aujourd'hui. Et bien, salut à tous et à toutes, on est reparti pour une run sur Wallworld. On a amélioré notre survivabilité et notre foreuse à l'entrée des mines. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. C'est vrai qu'à chaque début de run, la différence au niveau du minage avec la run précédente, elle se fait sentir. Hein. C'est très net. Pour un sommeil, j'ai un petit, voilà, une petite sortie de secours. Hop. Allez, on va rentrer au vaisseau, je pense, pour faire les premières améliorations. Hop. 6 et 4 sur la vitesse de rotation. Allez, hop. Oui, j'arrive. Non, ce que je vais faire, je vais quand même reprendre les améliorations. Ah, j'ai pas assez. Très bien. Voilà. La pièce secrète, elle est là. Rotation de l'arme plus 30%, c'est bien, ça va aller assez vite. C'est pas mal. Très important, je trouve, la vitesse de rotation de l'arme sur ce jeu. Ok, on a tout fait. On peut partir. Hop. Ouais, c'est quand même pratique, hein, ça. On se casse. Hop, cadence de tir augmentée. Dégâts des armes augmentés. Ok. Hop. Ok. Je le sens bien par là. Ok, on va se casser, on va juste prendre ça. Non, je peux pas tout prendre. Je suis full.
On va augmenter la vitesse de déplacement. Et je pense qu'on va pas tarder à subir une attaque. Donc je repars, mais en vrai, c'était pas forcément pertinent de repartir là. Voilà, je vous l'avais dit. Hop. Alors, voyons voir. Vitesse de rotation, on peut encore augmenter. On le fait ou pas? Ouais, vas-y, on le fait. Hop. Allez, dégage. C'est parti. On va reminer. J'aimerais bien trouver la salle secrète rapidement quand même maintenant. Ah, ok, c'est un corps. Hein. On va d'abord vider tout le reste. Ah, ok, je suis plein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau aujourd'hui? Alors, réplicateur de tourelles permet de construire des tourelles à l'entrée des mines inoccupées. Ces tourelles attaquent les ennemis automatiquement et ne nécessitent aucune maintenance. Ok, donc du coup, on doit être connecté à une mine qui n'a pas encore de structure. Ok, donc du coup, concrètement, comment je fais? Creuser, aspirer, alors connecter à l'araignée. Pour ouvrir le menu de construction, appuyez sur B. Sectionnez l'icône de l'objet que vous souhaitez construire près de cette mine et fermez le menu de construction si vous n'avez pas. Ok. Alors donc du coup B. Ok, on a une tourelle maintenant qui va me protéger en cas d'arrivée d'ennemis. Si j'ai bien compris le principe. Un peu comme le drone, mais sauf qu'il reste donc moins fort que le drone parce que le drone il nous accompagne tout le temps alors que là c'est que pour les. Que pour les zones où on a construit des mines. Ah! Cassez couilles! Ouais, ça tire, ça tire. Tac, tac, tac. Tourelle. Cadence de tir plus 1%, vas-y, hop. Ok. C'est la richesse encore cette fois, cette mine-là. Bon, là, c'est un petit peu long à creuser. Ça commence à devenir un peu long à creuser, mais. Mais ça va jusqu'où là? Mais toujours plus, mais toujours plus. Mais oui. Ouais, là, il n'y aura rien de plus. Enfin, peut-être par là, mais j'ai des doutes. Ok, on va juste terminer celui-là pour l'histoire de dire. Et on va rentrer à l'araignée. C'est une phrase que je m'attendais pas à dire très. Qu'on n'a pas l'habitude de prononcer.
Alors, voyons voir au niveau de mes améliorations possibles. J'aimerais bien économiser pour avoir ça, donc 8 de bleu, il me faudrait. Ok, allez. Hop. Ah, la tourelle, c'est pas mal en fait, hein, quand même. Ça a quand même une cadence de tir qui est pas déconnante. Allez, dégage. Ok, hop. On se casse ça. J'aime quand ça se passe comme ça. Voilà, on a directement beaucoup de minerais. Je pense que je vais pouvoir augmenter mon. Rapidement mon minage. Je suis plein. Du coup, est-ce que je prends ça? Ah, je vais peut-être plutôt prendre ça d'abord. Allez, hop, on va prendre ça d'abord. Ouais, c'est pas mal. C'est plus efficace, je trouve. Ah, voilà, la salle secrète. Chose ne peut générer des ressources de n'importe quel bloc, 5%. Eh ben, c'est bien ça. Ouais, j'arrive. De toute façon, je crois que j'ai terminé. Oui, d'ailleurs. Ah, ça me coûte par contre. Ah oui, c'est pas gratos. Donc, oui, mais attention. Allez, on va sur la mine suivante qui est juste à côté. Ok, très bien. Ça fait du stuff gratuit. Vous avez hérité les dieux. La moisson est sur le point de commencer lorsque le haut et le bas changent de place, quand la neige tombe au milieu de l'été, lorsque ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui regardent divisent le grand tissu, les barbares festoient des juges enchaînés et un pélican. Comment ça, un pélican? Il vient faire quoi là-dedans, le pélican pâle? Pas compris. Alors, pour augmenter les dégâts, mais ouais, pour l'instant, on va rien faire, on va attendre la prochaine mine. J'espère qu'elle va pas mettre trop de temps à arriver la prochaine mine. Allez, virez-moi ça. Aïe. Comment ça, il y en a avoir beaucoup là.
Allez, virez-moi ça. Et vous êtes combien? Ouais, il va quand même falloir que j'augmente mes dégâts de... Putain, mais c'est... ils sont une infinité. Le problème, c'est que je perds du temps, moi, en faisant ça. Voilà, allez. Hop. Allez, virez-moi ça. On avance. Ok, une mine. Une mine. Déjà, on a les choses. Je crois que j'ai augmenté quand même mes armes. Là, je commence à être un peu léger en termes d'armes, d'armement, donc il va vraiment falloir que je le fasse. Ah, j'ai plus de place. Ok, alors on va faire ça peut-être. Ok, je peux plus réparer, hein. On est bien d'accord. Enfin, je peux pas réparer, j'ai pas encore récupéré ce qu'il me fallait pour ça. Les cristaux verts. J'arrive. J'aimerais bien avoir de nouveaux systèmes d'armement quand même. Hop, est-ce que je peux améliorer un truc? La vitesse, ouais, j'ai plus assez de ça, donc pourquoi pas faire ça dans ce cas-là? Voilà. Allez, on avance. C'est quoi ? 4 minutes avant avant la vague. Je pense qu'on va mourir à la vague. Hein. Oh, ça sent l'arme. Oh, ça sent le système d'armement, ça. Allez. Oh, mais il y en a gagné combien de couches encore? Voilà. C'est le système d'armement. Comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on est tombé sur quoi cette fois-ci? Shotgun. Ok, on l'avait déjà eu. On va avoir. Alors, shotgun, mais a priori, c'est pas mal pour les ennemis qui sont à proximité. Oui, oui, je te dis bon, que ça a été bientôt terminé. Donc c'est bien ça, le shotgun qu'on ait trouvé. Justement, je commençais à être léger en armement, donc... Donc c'est une très bonne chose. Hop. Alors, on va peut-être prendre le shotgun. Tir inflige 20 dégâts supplémentaires, ça c'est pas mal.
Ok. Bon, ça c'est bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Ok. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Un petit peu redondant parfois la phase de minage, même si elle est chill. Là, je m'aménage juste une porte de sortie. 40 secondes, hein. Je pourrais améliorer ça. Ouais, je peux pas faire grand chose d'autre de toute façon. Donc autant faire ça. Aïe aïe aïe, ça y est, ça arrive là, ça arrive, ça arrive. Voilà. Merde. Tu m'as foncé dessus. Merde. Là, faut que je me désarime. J'avais oublié de me désarimer. Et merde! Ah, ok, bon, c'est, faut vraiment que je fasse attention à ça. À chaque fois, je me fais avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on va acheter quand même? Tiens, missile prédateur, la 1500 de dégâts, ça fait un peu envie, hein. Augmente l'intervalle entre les vagues d'ennemis de 5 secondes. Oh, ça, ah, pourquoi pas. Non, je vais prendre le moteur MK2. Voilà. Ok, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous fais à tous et à toutes. Je vous dis à tous et à toutes très bientôt. Salut, bye bye!